n'a plus rien à faire. Ne parlez plus de la grève à René, c'est trop tard, il est résigné. Ne parlez plus de manif à Gertrude, pour elle l'histoire en montée au postlude. Il n'y a que la camionnette CGT qui chante, soyons motivés. Ne parlez plus de gilets jaunes à Chantal, elle se retape à l'hôpital. Ne parlez plus de grand soir à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Et elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Ne parlez plus de lutte sociale à Robert, il n'en a plus rien à faire. Cela fait 30 ans qu'il part à la guerre, cela fait 30 ans qu'il perd. Il a bloqué des raffineries, des magasins, des industries. Il aimerait bien profiter de la vie avant qu'il ne la perde aussi. C'est pas pour ça qu'il a signé la caisse de solidarité, pleine de centimes de charité, ne suffira jamais à compenser le vide du garde-manger. Ne parlez plus de manif à Gertrude, pour elle l'histoire en est au postlude. Traverser la cité du nord au sud et sous toutes les longitudes, en criant dans le mégaphone unité, là y a mal donne. Les syndics concurrents s'envoient des scuds, chacun tourne à sa solitude. Les syndics concurrents s'envoient des scuds, chacun tourne à sa solitude. La camionnette CGT qui chante, soyons motivés, motivés. Ne parlez plus de gilets jaunes à Chantal, elle se repose à l'hôpital. Ne parlez plus de grand soir à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Et elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Et elles ont remplacé le goût de la fête par celui de la défaite. Elle se retape à l'hôpital, la mâchoire déglinguée par une flashball. Merci la police nationale. Quand elle sera bien reposée, pas sûr qu'elle se sente apaisée, car elle vivra bientôt le procès sur le banc des accusés. Car elle vivra bientôt le procès sur le banc des accusés. Ne parlez plus du grand soir à Lisa, elle préfère les soirées pizza. Même avec un retard de livraison, la pizza arrive pour de bon. Elle a vécu les nuits debout, elle avait tenu jusqu'au bout. La convergence des luttes est un mythe, Lisa ne croit plus quand c'est frite. Mais la convergence des luttes est un mythe, Lisa ne croit plus quand c'est frite. Quant à la désobéissance civile, ne comptez plus sur Théophile. Il a protégé des terres fertiles contre des projets inutiles. Mais à trop tirer sur la corde, on l'utilise pour se pendre. Quand le fleuve du désespoir déborde, le burn-out ne se fait plus attendre. Quand le fleuve du désespoir déborde. Bountard le bâtard, comment ça va? Une fin joyeuse. Une fin joyeuse. Vous me demandez de faire une chanson sur la résignation, et après vous me demandez, avec le Discord là, de faire une fin joyeuse à une chanson sur la résignation. Pas de contradiction, pas de... Bon. J'essaie, je promets rien. J'essaie. Fin joyeuse. Fin joyeuse, non mais sans déconner quoi. De l'hexagone, qu'est-ce que vous voulez faire un truc joyeux avec les accords de l'hexagone? Ne parlez plus de lutte sociale à Rémi, parlez-lui de free party. Ne parlez plus de la grève à Carole, parlez-lui de rock'n'roll. Si le sexe et la drogue sont en option, ça attirera Fanchon. Quant à la camionnette CGT, y'a que la playlist à changer. Pour redonner de l'espoir à Damien, décrétons l'an 01. Si tout est à tous et rien n'est à soi, plus de pauvres, plus de bourgeois. Au lieu de craindre un futur déprimant, récupérons le présent. Si la lutte redevient une fête, elle amènera de nouvelles têtes. Si la lutte redevient une fête, elle amènera de nouvelles têtes. C'est majeur, c'est joyeux, non ?